Monsieur le ministre, Monsieur le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre des Sports et de la Jeunesse de la République de Turquie, Monsieur le ministre des Sports du Sénégal, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, autorités territoriales, élus locaux, chers amis du basketball et du sport, chers joueurs, chers joueurs de la Fédération sénégalaise de basket et des fédérations assimilées, messieurs les représentants du Comité national olympique sénégalais, chère population de Diamniadio, de Rufus, de Pékin, de Guéyaoué et de Dakar, permettez-moi, avant toute chose, de vous remercier chaleureux en ce moment historique où j'ai la fierté et le bonheur de répondre aux besoins de la jeunesse sénégalaise, un besoin en termes d'infrastructures sportives. Cette arena à la promesse que j'avais faite à notre équipe nationale de basket féminin au lendemain de sa victoire comme championne d'Afrique. Nous y voilà aujourd'hui, l'arena de Dakar, et pour vous, monde du basket, monde du handball, monde du volleyball, monde des arts martiaux. C'est donc un moment fort que nous vivons avec l'inauguration de ce bijou. Je vais vous dire, mes chers compatriotes, que cette infrastructure moderne fait partie d'un lot d'infrastructures de première génération qui seront érigées ici dans le pôle urbain de Diamniadio. J'ai en perspective, outre la rénovation de nos stades régionaux à Durbel, à Thiès, à Fatigue, ce qui vient d'être fait, la rénovation du stade Babacar Sey de Saint-Louis, la rénovation du stade Léopold Sédar Senghor, eh bien, je suis heureux de vous dire que je vous donne rendez-vous en 2020 pour l'inauguration d'un stade olympique de football de 50 000 places.
Merci beaucoup, messieurs compatriotes. C'est simplement pour vous dire que mon engagement est de moderniser le Sénégal et de le doter des meilleures infrastructures, qu'il s'agisse des infrastructures sportives, des infrastructures de transport, régional et le BRT, des infrastructures comme Air Sénégal International, avec bientôt de dernière génération, mais également les infrastructures universitaires, scolaires et autres. Je vous donnerai rendez-vous, Inch'Allah, pour la réalisation de ce stade national de football aux dernières normes de la FIFA. Je ne saurais terminer sans remercier mon frère et ami, le président Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie. Sans l'appui duquel de telles réalisations auraient du mal à se faire. Monsieur le ministre, soyez mon interprète auprès du président Erdogan pour lui exprimer mes remerciements, ma gratitude et celle du peuple sénégalais pour la coopération exemplaire qui existe si bien entre la Turquie et le Sénégal. Mais nous devons également ce joyau du gouvernement de la République du Sénégal qui a su conduire avec efficacité sous la direction du Premier ministre Mohamed Diom, sous la direction du ministre de l'Économie et des Finances, Amadou Ba, sous la supervision du ministre des Sports, Martar Ba, mais surtout avec la coopération de la délégation générale des pôles urbains avec Seydou Sissal, et bien sûr avec le suivi et le management de la direction générale de la SOGIP, avec notre jeune frère Galoba. Mais si cette infrastructure a pu être faite, c'est parce qu'il y a eu une entreprise spéciale, compétente, qui a été à l'œuvre. Je veux saluer Souma avec son directeur général, M. Selim Bora, et l'ensemble de ses travailleurs. Mes chers amis, à très bientôt pour d'autres inaugurations. Je vous remercie.